Jusqu'au 12 novembre prochain, Roman Boringer se produit sur la scène du Théâtre de l'Atelier, à Paris, pour jouer le bel indifférent. Dans cette comédie musicale, la comédienne interprète notamment une chanteuse ultra-contemporaine. Pour faire la promotion de la pièce, la fille de Richard Boringer s'est confiée dans les pages de Libération, ce samedi 4 novembre. Au cours de l'échange, l'actrice de 50 ans, qui a rencontré des soucis financiers, a notamment été interrogée sur son rapport à la musique. Quel est le disque que vous partagez avec la personne qui vous accompagne dans la vie? Lui a ainsi demandé Alexis Bernier, le journaliste qui menait l'interview, en faisant référence à Philippe Rebaud, l'ex-compagnon de Roman Boringer. J'ai déclaré ma flamme à mon amoureux en lui envoyant des titres appuyés de Véronique Sanson. Tu es ma lumière du jour dans la voiture au petit matin. Ça voulait tout dire, a-t-elle révélé. Plongée dans ses souvenirs, la comédienne a indiqué que le futur père de ses deux enfants avait répondu à ses avances de la même manière. Puis il m'a renvoyé « Seras-tu là ?» et ainsi de suite. Nous nous sommes dévoilés grâce aux mots de Véronique Sanson, a-t-elle conclu. Roman Boringer et Philippe Rebaud, quelle relation ont-ils gardé? Malgré un début de relation marqué par la tendresse et le phrasé de Véronique Sanson, Roman Boringer et Philippe Rebaud se sont séparés en 2018. Cependant, les parents de Rose et de Raoul sont restés en très bons termes. La preuve? Dans une interview accordée au Monde, en septembre 2022, l'actrice indiquait qu'elle vivait toujours sous le même toit que son ex-compagnon, mais dans des pièces séparées. Si est-ce une réussite totale, si est-ce riche, fluide, joyeux. On n'a pas perdu une miette de nos enfants, la photo de famille ne s'est pas arrêtée, avait-elle déclaré, avant de poursuivre, ça peut changer si Philippe rencontre quelqu'un ou si mon amoureux a envie d'autre chose. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo. Jean-Marc Lemaire.